Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour le dernier message de cette semaine. Nous sommes le vendredi 21 janvier 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, j'ai pigé loup protecteur. Alors, cette carte du loup protecteur, il vous invite à vous connecter à cet animal fascinant et aux qualités spirituelles qu'il porte. Alors, si vous ne le savez pas, le loup est le symbole du renouveau, du sauvage, de la liberté et de l'altruisme. Il est un grand protecteur, mais aussi celui qui ne peut être asservi. Il préférera toujours souffrir plutôt qu'être entravé. Ressentez sa force d'esprit. Ressentez sa liberté intérieure, sa grande intelligence, son instinct. Ainsi, sa force et ses qualités vous accompagnera. N'hésitez pas à l'invoquer intérieurement. Lorsque vous ressentez, n'est-ce pas, le besoin d'être guidé. À ses côtés, vous pouvez partir à la découverte, n'est-ce pas, de nouveaux et merveilleux territoires. Inspirez-vous de ce bel animal. Deviens un homme ou une femme loup, pourquoi pas. Sortez un peu de votre zone de confort. Et allez découvrir de nouvelles choses. Mais il faut le sortir de sa zone de confort. Et là, la difficulté, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a. Si on élargit sa zone, et c'est la peur qui est là, parce qu'on n'ose pas. Alors faites comme le loup, partez à la découverte pour de nouvelles choses, des merveilleuses choses, des nouveaux horizons. Petit rituel, fermez les yeux. Et imaginez-vous dans une forêt. Et cette forêt, elle est apaisante. Et vous entendez les oiseaux. Et vous sentez les puissantes odeurs de la nature. Une lumière blanche s'approche. Et c'est un magnifique loup blanc qui pose sur vous un regard rassurant. Observez-le. Il est venu à vous
vous signaler qu'il est prêt, qu'il est tout prêt à vous accompagner. Et que ce soit dans un cheminement spirituel ou physique, il vous protégera des dangers. Il sera votre ancrage et il veillera à ce que vous ne vous perdiez pas. Vous pouvez ouvrir les yeux. On termine par le message lumière et aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé sagesse. J'ai la sagesse de laisser le temps agir pour ainsi obtenir les résultats tant désirés. J'accueille chacune des étapes avec sérénité, puisque je suis guidée vers ma pleine réalisation. En ayant la sagesse de vivre ici et maintenant, n'est-ce pas? Eh bien, j'atteindrai tous les sommets. Très beau message pour terminer cette semaine. Je vous souhaite une belle journée, un excellent week-end dans la sagesse, dans l'altruisme, dans la tolérance, dans l'amour inconditionnel. Je vous remercie pour votre écoute et puis on se retrouve pour une prochaine capsule. Et d'ici là, je vous embrasse, prenez soin de vous et n'oubliez pas, je mets de la lumière dans ma vie, je suis optimiste et je me lève le matin et remercie pour la belle journée que je vais passer. À tout bientôt.